Bonjour. On va traiter un exercice de l'arithmétique. L'objet de cet exercice, c'est avoir une méthode de résoudre les systèmes de la forme x est congru à modulo p, x congru à b modulo q, avec p et q premier entre e dans z. Dans z. On va déduire une méthode de résoudre ces systèmes. Donc, soit p et q des éléments de z étoile, tel que P et Q sont premiers entre eux. Montre que pour tout couple A, B2, Z carré, le système S, X congru A à modulo P, X congru à B modulo Q, admet au moins une solution dans Z. La seconde question. Montre que pour, si X et X' sont une solution de S, alors X est congru à X' modulo PQ. Soit x0 une solution particulière de S, résoudre dans Z. Bon, on va voir enfin la deuxième question, c'est une application. On va résoudre un système. Bon, du système, nous avons x congru à 4 modulo 6, c'est x congru à du modulo 11, le système S2, x congru à 3 modulo n, et x congru à 5 modulo n plus 1 avec n supérieur ou égal à 2. Bon, on va commencer par cette question. Bon. On a P et Q est égal à 1. Donc, d'après le théorème de Bézout, il existe un couple IV appartenant à Z carré. Et P plus VQ est égal à 1. Soit B appartenant à Z carré. Donc, on va multiplier les deux membres de cette égalité par B moins A. Donc, B moins A, facteur de UP plus VQ, est égal à 1 multiplié par B moins 1. Cela implique que B UP plus B VQ moins A UP moins A VQ est égal à B moins 1. Bon, cela implique que BU moins AU B plus BV moins A VQ est égal moins AUP, oui, BV, Q. Bon, on a développé cette expression. Donc, on aura BUP plus BVQ moins AUP moins AVQ est égal à B moins 1. Est égal à B moins 1. Cela implique bon, que A plus BU moins AU P est égal à B plus AB moins BVQ. On pose H est égal à BU moins AU et K est égal à AV, bon, et T, pardon, et T. Donc, A plus HP est égal à
AB plus TQ. T, H appartenant à Z. Et H sont des éléments de Z. Donc, on pose x est égal à A plus HP qui est égal à B plus TQ. Donc, x est congru à A modulo P et x est congru à B modulo Q. Donc, quel que soit A appartenant à Z carré, le système admis au moins n solutions. Bon, on peut prendre x est égal à cette quantité avec x. Il est dans la forme A plus HP qui est égal à B plus TQ. Voilà pour la première question. Bon, maintenant on passe à la deuxième question. Bon, la question B montre que c'est bon, B montrant, montrant que si X est exprimé de solution de S, alors, x est congru à x prime modulo pq. Bon, on a x prime solution de S. Donc, x est congru à A modulo p, x est congru à B modulo q. Et x est congru, exprime le congru à A modulo P et exprime le congru à B modulo P. Modulo Q, pardon. Bon, cela implique que x est congru à A modulo P, exprime le congru à A modulo P et x est congru à B modulo Q et qui exprime le congru à B modulo Q. Bon, cela implique que x moins exprime le congru à moins A modulo P, pardon, x moins exprime le congru à B moins B modulo Q. Implique x moins exprimé congru à 0 modulo P, x moins exprimé congru à 0 modulo Q. Donc, on va déduire que P divise x moins exprime et Q divise x moins exprime.
Non. Phi divise x moins x prime. Et q divise x moins x prime. Donc, il existe k1, k2 et le module z tel que x moins x prime est égal à pk1 et x moins x prime est égal à q k2. Et comme phi q est égal à 1, cela implique qu'il existe déjà, on a déjà signé ceci, d'après le théorème de division, il existe le groupe qui est appartenant à z carré tel que phi u plus uv, il est égal à 1. Maintenant, dans cette égalité, on va multiplier le 2 membres par x moins x prime. Cela implique que x moins x prime, facteur de phi u plus uv, égal à 1 multiplié par x moins x prime. Cela implique que x moins x prime puis u plus x moins x prime que v est égal à x moins x prime. Bon, x moins x prime qui est ici, on va le remplacer par q1 par q1. Cela implique que qp q2 x moins x prime, pardon, on a en face x moins x prime par q plus x moins x prime, il est égal à p1 q1. Donc, si pq q1 v est égal à x moins x prime. Bon, cela implique pq facteur du cas de u puisque 1v est égal à x moins x prime. Et comme k2 plus k1v appartenant à z, alors phi que 1 divise x moins x prime. Si pq divise x moins x prime, cela veut dire que cela implique que x moins x prime il est congru à 0 modulo pq. Implique x est congru à x prime modulo pq. Voilà pour la question B. Maintenant, on passe à la question C. C, soit x0 est une solution de S. Une solution de S. Une solution particulière, une solution particulière de S. Si S résoudre, bon, on va résoudre S dans Z. On a x0 une solution de S, donc une solution de S, une solution particulière, pardon.
une solution particulière. Particulière de S. Donc, si X est une autre solution de S, alors X il est congru à X0 du début Q. Cela implique que X est égal à X0 plus Kpi Q avec K appartenant à Z. Bon, ceci d'après ce qui est précis. Donc S. Donc, bon, l'inverse est vrai. L'inverse est vrai. Bon, la réciproque est vraie. Donc, l'ensemble des solutions de S de S dans Z l'ensemble des solutions pardon S dans Z I S1 est égal à l'ensemble des nombres de la forme X plus P Q K avec K appartenant à Z X0 solution particulière de S. Voilà pour cette question. Maintenant, on passe à la question 2, si l'application. La question 2. Application. On va résoudre. Dans Z, le système suivant. Donc S1 X congru à 4. X est congru à 2 modulus 11. Bon, on va traiter tout d'abord cet exemple, après on va résoudre l'autre exemple, S2. D'accord. On a X solution de S1, donc X est congru à 4 modulus 6. X est congru à du modulo 11. Cela implique que X est congru à 4, donc est égal à 4 plus 6 K, K appartenant à Z. Donc, x est congru à du module 4, donc on va remplacer x qui est ici, on va remplacer par 4 à 4. Donc on aura 4 plus 6 k est congru à du module 11.
Donc, cela implique que x est égal à 4 plus 6k. Si k est égal à 2, moins 4 modulo 11 implique x est égal à 4 plus 6k. 2 moins 4, c'est moins 2. Bon, cela implique que x est égal à 4 plus 6k, k appartenant à z. 6k, 2 moins 4, c'est moins 2. Moins 2 plus 11, c'est 9. Donc, moins 2 plus 11, modulo 11, implique. Bon, x est égal à 4 plus 6k. 6k est égal à et congrue à 9 modulo 11. Maintenant, on va chercher l'inverse du 6. Dans z sur 11z. Bon. 2 multiplié par 6, c'est 12. 2z est congrue à 1 modulo 11. Donc, cela implique que x est égal à 4 plus 6k. 6k, 2 multiplié par 6k, il est congru à 2 multiplié par 9 modulo 11. Cela implique que x est égal à 4 plus 6k. 12 modulo 11, c'est 1. Donc k, il est congru 18 modulo 11, c'est 7. Donc, cela implique que x est égal à 4 plus 6k. K est égal à 7 plus 11l. Bon, cela implique que x est égal à 4 plus 6 facteurs avec l, pardon. Avec l. L appartenant à Z, 7 plus 11 L. Cela implique que X est égal à 4 plus 42 plus 66 L. Donc, il est égal à 46 plus 60 L. Bon, la réciproque est vraie. On peut vérifier que x est sur le sein de l'équation du système. Donc, S1 admis pour ensemble des solutions S1 qui est égal à l'ensemble du nombre de la forme 46 plus 66 L avec L appartenant à Z. Maintenant, on va traiter le système. Le deuxième système, on aura un système qui dépend d'un paramètre, c'est le paramètre n. C'est-à-dire, les nombres qui sont donnés en fonction de n. Bon, on va résoudre le système S2 défini par
x il est congru à 3 module n. X il est congru à 5 module n plus 1. On a n plus 1 moins n est égal à 1. Donc, d'après le théorème de Guizot, n plus 1 et n sont premiers entre eux. Donc, le système admet des solutions. Soit x est une solution de S2. Donc, x est congru à 3 module n, x est congru à 5 module n plus 1. Avec n, pardon, d'après l'hypothèse n supérieur égal à 2. N est supérieur ou égal à 2. Bon, ceci implique que x est égal à 3 plus nk avec k appartenant à z. 3 plus nk est égal à 5n plus 1. Cela implique que x est égal à 3 plus nk. 3 nk est congru à 5 moins 3 modulé n plus 1. Cela implique, bon, 5 moins 3, pardon, 5 moins 3 c'est 2, donc nk il est congru à du module n plus 1. D'accord. Maintenant, on va chercher l'inverse de n dans z sur n plus 1. Et comme n plus 1 moins n est égal à 1, implique que moins n est congru à 1 module n plus 1. Cela implique moins 1. Donc on va ajouter moins 1. N est congru à 1 module n plus 1. Cela implique moins 1 plus n plus 1. N est congru à 1 module n plus 1. En effet, n plus 1 est congru à 0 module n plus 1. Cela implique que n multiplié par n est congru à 1 module n plus 1. Donc, on va multiplier ici par n. Donc, x est égal à 3 plus nk. N multiplié par nk est égal à 2 multiplié par n, modulé n plus 1.
cela implique que x est égal à 3 plus nk. N multiplié par n, il est congru à 1 modulo n plus 1, donc il n'y aura pas k plus n modulo n plus 1. Cela implique que x est égal à 3 plus nk, k est égal à 2n plus n plus 1 multiplié par l, avec l appartenant à z. Donc maintenant, on remplace k, donc implique que x est égal à 3 plus n facteur de k, donc 2n plus n plus 1 l. C'est nk. Est égal à 3 plus 2n carré plus n facteur de n plus 1 l. Voilà. Donc, si x est sur le signe de s, alors x il sera égal à 3 plus 2n carré plus n facteur de n plus 1 facteur de n avec n appartenant à z. Donc, x est égal à 3 plus 2n carré plus n facteur de n plus 1 multiplié par l. Avec L appartenant à Z. D'accord. Bon. La réciproque est vraie. On peut vérifier que X est solution de ceci et ceci. C'est vrai, donc le système S2 admet pour ensemble de solutions l'ensemble S2 qui est égal à l'ensemble des nombres de la forme de plus 3n carré plus n facteur de n plus 1 l avec n appartenant à 7. Voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.